Frères et sœurs, merci de nous retrouver pour notre séance d'études bibliques communautaires. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 12, au jour 2, qui a pour thème « Le sanctuaire au paradis », tiré du livre de l'Apocalypse, chapitre 15, le verset 5 à 8. Lisons. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortis du temple, revêtus d'un lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. Amen. Nous avons retenu deux questions qui sont les suivantes. Question 1. Après avoir entendu le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau, qu'a vu Jean ? Par la suite. Quel aperçu Hébreux chapitre 8 verset 1 à 5 et 9 verset 11 24 donne-t-il sur cette structure? Voir aussi Exode chapitre 40 verset 34 à 35 et Ésaïe chapitre 6 verset 1 à 5. Question 2. Qu'est-ce qui remplit le sanctuaire dans la scène décrite ici par Jean? Quel effet cela a-t-il et combien de temps Jean dit-il que cet effet durera? Merci de nous avoir suivis. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. À la prochaine. Merci.